Hello everyone, my name is Aiste and I am pleased to welcome you all to the webinar in French. We chose MBSE What's Next? Best Practices in Systems Modeling. Nowadays, MBSE is enabled by Systems Modeling Language, SysML. However, SysML is neither an architecture framework nor a method. This opens discussions on how to structure the model, what views to build, which artifacts to deliver, and in what sequence. This webinar introduces MBSE pitfalls and gives suggestions on how to avoid them, explains major SysML concepts and diagrams, shows how to trace model elements in different views, and finally demonstrates a case study of consistent modeling. The session is hosted by Olivier Cairns, independent consultant and representative of CISML France Association. Olivier has mastered the practice of systems engineering, including requirements management, specification, and traceability. He has worked for many international publishers and modeling tools for over 25 years. He regularly conducts training, consulting, and is an occasional lecturer. Let me remind you that the webinar is being recorded and that today's presentation and demo will take about 40 minutes and the question-answer section about 10. If you have questions, you don't need to wait for the question-answer section to ask them. You can do this during the entire session. Type your questions in the questions area. Due to the limited time, some questions may be left unanswered. These answers will be published in the written form together with the link to the webinar recording. So please welcome our today's presenter, Olivier Cairns. Tous les sujets qui touchent la modélisation. Donc, comme ça a été rappelé brièvement, j'ai effectivement été un collaborateur de plusieurs éditeurs de logiciels d'outils de modélisation représentés en France. Donc, des outils que vous connaissez probablement, spécialisés pour l'ingénierie système, plus particulièrement pour tout ce qui est système embarqué, logiciel embarqué. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, il est effectivement de présenter comment on va pouvoir, à partir d'un langage standardisé tel que SysML, modéliser un certain nombre de concepts afin de communiquer une spécification. Voir quels en sont les pièges. Il y a pas mal de pièges qui ont été recensés depuis la création de ce langage, mais pas uniquement celui-ci, hein, ça peut être inhérent à la modélisation. Donc en fait aujourd'hui, simplement en introduction, avant de passer sur les quelques planches et puis la démonstration de l'outil, recadrer un petit peu le contexte de mon intervention pour No Magic. En fait, on a, dans le cadre de SysML France, dont je suis le représentant en région parisienne, organisé des journées depuis plusieurs années avec des thématiques particulières sur la communauté francophone, afin d'essayer d'étendre l'utilisation de ce langage pour des retours d'expérience, présentation d'éditeurs, de clients, d'académiques, d'industriels. Et au cours de ces différentes journées, en fait, la représentation de No Magic en France étant relativement limitée, on n'a pas eu l'occasion d'avoir de présentation de la part de cet éditeur sur les outils. Donc un des objectifs est de remédier un petit peu à cela, donc de présenter la solution qui est très pertinente. Vous allez voir, l'outil Cameo supporte SysML de façon vraiment très, très satisfaisante. C'est un outil très, très complet et surtout l'approche d'un point de vue méthodologique est relativement neutre par rapport aux différentes industries, aux différentes utilisations et projets qui pourraient en être faits. Donc ça me paraissait intéressant justement de donner un éclairage un petit peu nouveau par rapport à tout ce qu'on a l'occasion de voir sur le sol français en termes d'outils, de méthodologie, de démarche par rapport au langage SysML. donc qui vont le rappeler, n'est pas suffisant en tant que langage. D'avoir un outil, évidemment, ça paraît logique, mais la démarche, ça reste un problème assez épineux. Donc je vais envoyer sur la présentation PowerPoint de nos amis de No Magic. Donc j'ai pas fait de modification, j'ai laissé le texte en anglais tel que. Une fois de plus, le but c'est de donner un éclairage un petit peu différent pour la communauté francophone de mon retour d'expérience sur cette utilisation, donc par rapport à leur approche. Donc on n'a pas francisé les planches par rapport à cette présentation existante qui avait déjà été faite en anglais il y a quelques mois. Donc les objectifs de cette présentation, c'est une introduction à un certain nombre de pièges sur l'approche model-based system engineering que l'on peut rencontrer, donc quelques moyens de les éviter. L'approche, la démarche de No Magic est basée sur ce que No Magic appelle le Magic Grid, donc est un cadre permettant de modéliser donc des systèmes complexes. Ensuite, donc, nous allons voir des concepts principaux et les vues, les diagrammes qui constituent SysML, mais on ne va pas insister profondément là-dessus parce que je pense que ça commence à être connu. Voir comment les différents éléments du modèle se relient les uns aux autres, c'est vraiment le point important, l'apport important de la modélisation, c'est bien sûr comment tirer parti d'une approche modèle, d'apparer sa cohérence. Donc on partagera un certain nombre de retours d'expérience, quelques planches sur des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'il est plus facile de décrire un retour d'expérience avec des erreurs, on apprend toujours de nos erreurs bien sûr, on peut parler des projets qui ont réussi. Yes. Please excuse me, Olivier. The attendees cannot see your screen. Could you please share the screen? Oh, sure. Screen sharing expanded. Do you see at the top? Yes. Click show my screen. Okay. Is it better? Yes, it is. Thank you very much. Okay, sorry for that. For interruption. Okay. Bon, désolé, effectivement, je ne m'étais pas rendu compte que je ne partageais pas mon écran, mais c'est la première planche, hein, donc je pense qu'il n'y a pas eu grand-chose de loupé. Donc, pour en venir à l'objectif, aux objectifs de cette présentation, effectivement, c'est de voir quelles sont les interactions entre les différents éléments de programmation et comment, en appliquant une démarche basée sur une certaine logique, on va le voir, on va pouvoir tirer parti d'un langage comme SysML, qui est un langage très puissant, qui est un langage, bien sûr, qui permet de faire énormément de choses, mais qui demande d'être cadré justement par une démarche et d'avoir un outil qui supporte cette démarche correctement. Définition qu'on va pouvoir effectivement apporter ici sur la modélisation, c'est un triptyque. On présente très souvent comme ça, donc un triptyque, le langage modélisation SysML, dont on va parler brièvement, donc les nœuds diagrammes qui le constituent, les éléments de programmation. Donc une démarche, une méthodologie, une façon d'utiliser ce langage. Ce langage est une boîte à outils, avec un certain nombre de concepts. Certains concepts sont complémentaires, d'autres sont redondants suivant le métier, suivant l'expérience, suivant le type de projet. Donc il est pertinent de les appliquer à son propre métier, à son propre projet, à sa propre expérience, de façon à en tirer bonne partie. Comme toute boîte à outils, on ne va pas forcément utiliser non plus toutes les possibilités de cette boîte à outils, il va falloir choisir contextuellement en fonction donc, du domaine, du niveau, du type de projet, quels sont les concepts qui vont être pertinents une fois de plus pour ce projet. Et bien sûr, un outil qui va permettre d'appliquer la méthodologie et supporter le langage, les concepts de langage qui nous intéressent. Et tout ça, bien sûr, est fortement, très fortement contextuel. Donc, quelques rappels sur, sur SysML. Donc, c'est un langage qui a été normalisé depuis au moins une dizaine d'années par l'OMG et un des acteurs principaux ayant participé à sa définition est l'INCOSI, qui est l'organisme international d'ingénierie système. Donc, il vise à permettre la modélisation de systèmes complexes, qu'ils soient constitués de matériel, de logiciels, d'informations, de personnel, de procédures, etc. Donc vraiment au niveau ingénierie système, contrairement au langage UML dont il est issu, qui lui était plutôt un langage informatique pour la conception de logiciels. Là, il vise vraiment à supporter des systèmes complexes. Et il est supporté par pas mal d'outils de modélisation. On en a recensé une bonne douzaine sur le marché, sur les contextes et suivant ce que on veut en faire. Donc certains sont payants comme No Magic, avec des fonctionnalités de très haut niveau, d'interopérabilité, etc. D'autres en open source, d'autres gratuits, mais bien évidemment pas toutes les possibilités peut porter ce genre d'outils. Tout dépend de ce qu'on va vouloir en faire. Donc il y a une interopérabilité et un interfaçage qui peut être opéré avec d'autres outils, d'autres domaines, puisque SysML ne vise pas complètement tout le spectre de l'ingénierie système, mais présenter une sorte de cadre commun pour que les ingénieurs système puissent communiquer entre eux, ce qui est déjà un petit défi en soi. SysML est souvent défini par quatre piliers qui définissent donc sa structure au niveau langage. Vous avez une partie structurelle avec la notion de bloc sur laquelle on reviendra un petit peu tout à l'heure. Une partie comportementale avec différents moyens de décrire l'aspect dynamique du système. Et deux parties un peu bien spécifiques qui sont les exigences. Donc la notion d'exigence est une discipline, ingénierie d'exigence à part entière en ingénierie système, et le diagramme paramétrique qui est quelque chose qu'on utilise surtout pour interopérer avec d'autres domaines de type de langage. Donc le langage est simplement le langage, effectivement, sans démarche, il n'aura assez peu d'utilité, donc il faut vraiment s'assurer de bien l'utiliser, mettre en place une démarche, une méthodologie. Donc on a parlé d'expérience et de retour, de choses à ne pas faire. Donc là, typiquement, c'est ce genre de planche, vous voyez tout de suite un petit peu le plat de spaghetti et le désordre qui en résulte. La quantité d'informations dans ce modèle est assez phénoménale. Donc ça a donné lieu en fait à un projet qui a duré, qui a été dimensionné pour 200 hommes-ans, ce qui est assez énorme. Et qui a donné à un nombre de diagrammes absolument gigantesques, plus de 2000, c'est énorme, 30 volumes, et ça ne répond absolument pas aux besoins de l'ingénierie système, dans le sens où malheureusement ce projet a été inhibé, est devenu vite ingérable, c'est pas de revue mis en place, un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites, et un niveau d'abstraction donc qui a été mal jugé dès le départ, ce qui fait que le projet a dû être annulé pour pouvoir continuer et faire que le produit soit commercialisé, mais sans l'utilisation donc du langage SysML. Donc l'autre piège qu'il va falloir éviter, c'est effectivement en ce qui concerne les niveaux d'abstraction. Le niveau d'abstraction qui peut emmener à une mauvaise compréhension, des informations qui pourraient être dupliquées, et un lien trop fort avec la plateforme technique qui serait utilisée. Donc il est important, très très important, de bien maîtriser le niveau d'abstraction que l'on va pouvoir utiliser en SysML, comme avec d'autres langages de modélisation d'ailleurs, mais c'est surtout vrai en SysML puisqu'on va parler de systèmes complexes avec différentes architectures qui peuvent être assez importantes. Donc là par exemple, on peut voir, c'est un exemple qui permet de visualiser l'aspect fonctionnel, l'aspect logique et l'aspect physique, ce sont les différentes strates dont on va parler prochainement dans les planches qui viennent, et les systèmes d'allocation donc qui pouvaient être utilisés pour passer d'un niveau à un autre. Donc, là, le niveau d'abstraction est quelque chose de vraiment très important à maîtriser. Donc si vous n'avez pas une bonne intégration au niveau du modèle, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir quelque chose de cohérent. Donc là, c'est l'introduction de la démarche de No Magic, qui est assez plaisante dans le sens où on reprend des concepts d'ingénierie système assez classiques et bien adaptés, et surtout bien outillés par leur approche. Vous retrouvez en fait au niveau horizontal les 4 piliers dont on a parlé tout à l'heure, donc au niveau exigence, comportement, architecture et la partie paramétrique. Et ensuite les niveaux d'abstraction, qui sont des niveaux assez classiques, le niveau conceptuel, où tous les échanges entre les parties prenantes, tous les intervenants du projet vont se situer, et deux niveaux importants où souvent la frontière est mal située, c'est la notation donc, du problème et la notation donc, de sa solution, qui doivent être bien sûr distinguées, et sans abstraction pertinente au niveau du projet, on peut arriver très vite à avoir une confusion, de descendre tout de suite au niveau de la solution et de zapper entre guillemets la partie du problème. Donc ça entraîne effectivement des difficultés de maintenance, l'information redondante et mal canalisée, alors qu'effectivement on peut préconiser d'utiliser le modèle comme souche, comme moyen de partager une information unique. Alors on va voir que pour certains éléments de modélisation comme les exigences, cela ne veut pas dire systématiquement de tout modéliser les exigences dans le modèle. Simplement d'avoir une référence dans le modèle afin de pouvoir lier, par exemple, les exigences avec des éléments de modélisation. Et ça ne veut pas dire refaire ce qui est déjà fait par ailleurs, simplement utiliser SysML, ce modèle SysML comme un moyen de coordination et d'échange avec les différents métiers, les différents participants. C'est ça qui est essentiel. Donc au niveau de la complexité des diagrammes, il y a un certain nombre de règles qui peuvent être éditées. Bon, il y a un certain nombre d'entreprises qui utilisent des chiffres, des règles, dire que entre 7 et 10 éléments de modélisation par planche, ça paraît raisonnable. Au-delà de 10, c'est déraisonnable. En dessous de 7 ou de 5, on peut se poser la question de l'utilité d'un diagramme. Il y a peut-être un moyen d'exprimer les choses de façon différente. Bon, ça reste des tendances, effectivement, qu'on observe sur l'utilisation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir gérer la complexité des diagrammes. Il y a des moyens hein, de créer des hiérarchies et de décomposer pour briser la complexité, sans forcément tout vouloir représenter sur une seule planche. Et là, on insiste un peu sur la notion de point de vue qui est différente du diagramme. Ce qui est important, c'est qu'en communication, on va échanger des points de vue entre différents intervenants et qui vont prendre des éléments de modélisation, certains morceaux de diagramme qu'on va vouloir échanger avec les partenaires. Donc ici, par exemple, une vue tabulaire. Effectivement, dans SysML, on a beaucoup de représentations graphiques, d'architecture, de comportement, etc., mais pas uniquement. On a des possibilités de représentation sous forme de tableaux, d'échanges d'informations, de recension d'informations, qui sont souvent beaucoup plus visuels, beaucoup plus communicants que des vues graphiques. Donc ça, c'est aussi une recommandation de ne pas systématiquement viser à utiliser les diagrammes dans un modèle SysML. Quelquefois, il y a d'autres façons de le faire, par exemple sous forme tabulaire. En ce qui concerne donc les différents rôles, les différents métiers qui sont utilisés, ce qu'il va falloir, c'est bien sûr rassembler ces différents métiers pour qu'ils partagent un même modèle, mais tous ne sont pas forcément intéressés par les mêmes points de vue, donc puisqu'ils n'ont pas forcément le même vocabulaire, le même besoin. Donc des ingénieurs système, bien sûr, qui vont être au premier chef concernés. Donc tout ce qui est gestion de projet, aspect produit. On parle souvent de systèmes complexes à logiciels prépondérants dans l'industrie. De plus en plus, effectivement, les systèmes ont des logiciels, dont la partie développement logiciel est bien sûr très importante, mais il ne faut pas faire systématiquement un modèle logiciel. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient capables de le comprendre. Et enfin, on en a déjà parlé, donc, tout ce qui est gestion des exigences, qui est vraiment crucial et quelque chose de très important dans l'ingénierie système. Donc il est important de pouvoir rassembler ces différentes compétences et ces différents principes au niveau de la modélisation, de la gestion des modèles et de son utilisation. Donc, il faut bien distinguer qui fait quoi, qui va faire la modélisation, pour qui. L'objectif de la modélisation est toujours à prendre en compte dès qu'on démarre un projet. Première question à se poser, c'est pourquoi je fais ce projet, pour qui je fais ce projet, afin de s'arrêter au bon moment et de choisir surtout le bon niveau d'abstraction, le bon niveau de communication. La plupart des erreurs sont faites suite à des modèles qui sont trop détaillés, trop précis par rapport à l'objectif qu'on aurait dû en attendre. Là, on parle de documents textuels, par exemple, ici, au niveau guide de bonne pratique. Bah oui, effectivement, un document reste un bon moyen de communication, donc le modèle sert de pivot central, sert à architecturer la démarche et à recueillir un maximum d'informations tout au long de la vie du projet, mais il n'est pas le seul moyen d'exprimer les choses. Le document va rester un bon moyen du moment qu'il y a une bonne complémentarité entre les éléments de modélisation et les différents documents qui sont utilisés. Alors, le besoin, je pense, c'est indiscutable. Les différentes réunions qu'on a pu faire dans le cadre de SysML France, ou même en tant que consultant, lorsque je fais des formations, je participe à des conférences, la méthodologie est nécessaire, de façon à savoir comment architecturer le modèle, quels sont les points de vue à échanger, qui sont livrables, dans quelles séquences, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a différentes choses qui existent sur le marché. On n'est pas là pour dire quelle est la meilleure approche. En fait, chaque approche contextuellement dépend du métier et de son objectif. Je pense qu'il y a des bonnes choses un petit peu partout. En fonction des outils et en fonction des méthodes, il est bon, in fine, de constituer sa propre approche, se faire conseiller là-dessus si c'est possible, entre les démarches de l'INCOSI, les démarches outils ou des démarches plus génériques. Il y a des choses à sélectionner dedans. Donc, on revient sur la grille que propose No Magic, donc qui reprend simplement les quatre piliers et les trois niveaux dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est une vue assez classique, ma foi, mais qu'on peut mettre en application dans l'outil, on le verra tout à l'heure, par les moyens d'échange de communication sur la partie démonstration. Donc, cette démonstration, on la fera sur un exemple assez connu qui a servi dans le cadre de plusieurs réunions de l'INCOSI ou de l'OMG sur un véhicule hybride qui était porté dans cet environnement-là. Donc, l'idée, c'est de décrire chacune des étapes et de bien préciser quels sont les besoins et les exigences qu'on va avoir pour chacun des niveaux, quel est l'objectif de ce niveau à remplir, donc les entrées et les sorties aussi qui sont attendues. Donc là, on en déroule effectivement un certain ordre d'utilisation qui va être précisé dans cette démarche. Toujours en précisant donc quel est l'objectif de cette étape, qu'est-ce qu'on va pouvoir définir, ce que l'on va délivrer. Ici, donc on voit qu'on parle de cas d'utilisation et un certain nombre de scénarios, qui peuvent être par exemple des diagrammes de séquence, qui complètent ces cas d'utilisation pour donner un certain nombre de contraintes, spécifications et des chemins de vie d'utilisation du système. Donc le contexte aussi du niveau système qui va être quelque chose de relativement important pour la communication, et on part rarement de zéro, donc on a souvent envie et besoin de réutiliser quelque chose d'existant. Donc très vite, on va arriver à se raccrocher à quelque chose qui, d'un point de vue fonctionnel, va se rapprocher du système qu'on va vouloir utiliser. Bon, je ne vais pas passer en revue l'intégralité de la présentation, puisqu'il va falloir passer sur la démonstration. Simplement, la démarche est clairement documentée, elle décrit ce que vous devez et ce que vous pouvez attendre du niveau dans lequel vous vous situez. Et on va parler donc à chaque fois de décomposition fonctionnelle, de système, de sous-système, d'interface, de comportement sur les différents éléments d'architecture, mesures d'efficacité, etc. Donc au niveau structure du projet, comment ça s'applique à SysML, on va le voir dans l'outil assez rapidement. Ce qu'il faut, c'est pouvoir naviguer dans le modèle. Et ça, c'est ce qui me plaît bien personnellement dans l'outil No Magic, c'est qu'il y a une vue complémentaire de SysML qui est une vue de navigation et qui vous permet de spécifier dans quel ordre et comment naviguer dans le modèle pour pouvoir accéder à l'information qui vous intéresse. Et bien sûr, ça sera complété plus tard par une génération de documents ou de modules HTML qui va permettre de naviguer dans le modèle ou de lire ce modèle si on génère du document papier. Donc niveau physique, je ne vais pas m'attendre trop sur ce niveau-là, mais ce qui est important de préciser pour cette approche, c'est que les trois niveaux associés aux quatre piliers du langage permettent de gérer différentes étapes du cycle de développement. Donc il peut être un cycle en V, un cycle qu'on va pouvoir choisir en ma foi, mais on va partir de l'expression des exigences jusqu'à la validation du système. Donc un certain nombre de composants comportementaux du système vont pouvoir être ensuite associés, donc avec un certain nombre de possibilités, telles que les automates à état fini, ou diagrammes d'activité, ou diagrammes de séquence, qui sont un moyen de décrire le comportement des blocs, qui sont les éléments d'architecture de base du SysML, et si possible, une simulation pouvant servir de validation donc du comportement de ces éléments d'architecture permettra bien sûr d'aller un petit peu plus loin et de communiquer des éléments de modélisation qui auront été validés. Il n'y a que la simulation qui permet de s'en assurer et de lever un maximum d'ambiguïté. Traçabilité, ça c'est le mot-clé, c'est effectivement ce que l'on va tirer comme gros avantage de l'approche modélisation, c'est de faire le lien entre ces différents éléments de modélisation suivant le niveau et les différents piliers. Donc vous avez des relations qui sont prévues dans SysML, telles que le niveau derived, donc qui permet de descendre d'un niveau, le refine, donc qui permet de raffiner un certain nombre de choses, donc le containment pour l'organisation, d'autres éléments tels que la composition, le refine encore, l'allocation de systèmes logiques en système physique ou l'allocation d'éléments vers d'autres types d'éléments conceptuels, donc entre les différents partenaires au moment du projet. Donc pour chacune des intersections entre les différents piliers et les trois niveaux d'abstraction que nous venons de voir, on va pouvoir mettre en place, donc, par exemple ici le lien satisfy qui est un lien très important en SysML, et utiliser une validation qui sera basée donc, sur des liens de traçabilité propres à SysML. Donc une fois de plus, les exigences seront référencées dans le SysML, elles ne seront pas forcément décrites ni spécifiées ici complètement. Ce qui est intéressant et important, c'est d'avoir leur référence, leur identifiant, et de pouvoir ensuite aller vers un outil de gestion d'exigences ou de traçabilité d'exigences pour boucler la boucle. Donc là, différents exemples d'utilisation de modèles, donc sur la revue, la génération de documentation, l'analyse d'impact et de couverture. Ça c'est très intéressant, effectivement, pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Vérification d'exigence, analyse de compromis, simulation comportementale, test. Il y a tout un tas d'applications qui sont possibles en fonction de l'outil. Il faut effectivement que l'outillage permette d'assurer toutes ces différentes possibilités. De la même façon, au niveau de la gestion des modèles, il faut que l'outillage permette un travail collaboratif, de faire de la gestion de versions, de la comparaison de modèles et toutes ces choses-là. Ça, ce sont des choses assez importantes. C'est indépendant de SysML, c'est plus l'outillage, mais c'est aussi lié à l'approche et à la démarche que l'on va adopter, bien sûr. Donc, on arrive à la fin de la présentation des planches PowerPoint. Maintenant, ce que je vous propose, c'est effectivement de voir brièvement sur quelques planches, avant de passer à la session de questions-réponses, à quoi ressemble l'outil Cameo Systems Modeler, donc comment il utilise SysML. Alors, brièvement et classiquement, la plupart des outils ont cette approche-là. Hein, vous avez sur la partie gauche de l'outil le modèle proprement dit, donc le référentiel, donc le contenant, donc toutes les informations qui vont permettre ensuite de créer sur la partie droite des diagrammes. Bien entendu, sur la partie droite, les diagrammes contiennent des éléments qui sont forcément définis sur cette partie gauche, dans le référentiel. Et la plupart du temps, on crée, on modélise donc ces différents éléments de modélisation dans les éditeurs graphiques de façon à les retrouver ensuite sur cette partie. Donc les différentes approches, soit le faire complètement à partir du référentiel, créer tous les éléments et ensuite faire du drag and drop pour constituer donc le point de vue, le diagramme qui nous intéresse, donc qui reprend les éléments qui sont forcément uniques et bien ordonnancés entre eux, ou alors au contraire de les créer à partir des éditeurs graphiques et ne le faire qu'ici, ou un compromis entre les deux. Ça, c'est ces questions de démarche et d'habitude, bien s'assurer que l'outil gère l'unicité des informations et des composants, sinon on peut arriver à des gros soucis, ou à créer plusieurs instances d'éléments, ce qui peut être aussi très problématique. Donc là, la démarche est très fortement en capacité de l'outil à gérer cet aspect modèle, unicité des informations et cohérence du modèle. Donc là, on a un diagramme de contexte avec un scénario qui est le véhicule lorsqu'on est en phase de conduite, avec donc différents acteurs et le système qui est situé ici en boîte noire. Donc ces différents acteurs peuvent être des acteurs humains ou des acteurs physiques. Donc en acteur humain, on trouve principalement donc le conducteur et ses passagers, et on peut retrouver ensuite donc tout ce qui est environnement. Chaque système va se retrouver avec son propre environnement. Donc un véhicule, c'est effectivement la route, les conditions climatiques, etc. Là, on parle de plus en plus, bien sûr, de véhicules autonomes et puis de fonctions d'assistance à la conduite. Donc on a de plus en plus de capteurs permettant de mesurer, de vérifier tout ça, de même que le positionnement par satellite pour les fonctions de GPS, navigation, etc. Donc ce qui est intéressant dans ce genre d'outils, c'est de pouvoir justement naviguer facilement entre les différentes planches pour aller dans le modèle et faire un certain nombre d'opérations, avec une petite particularité pour l'outil Cameo ici. Bon, c'est pas le seul à avoir cette facilité, mais ici c'est bien exploité, c'est la possibilité d'avoir des hyperliens qui vont permettre de naviguer contextuellement entre une planche spécifique de navigation vers les autres éléments de modélisation. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous avez à chaque fois donc ce type d'élément qui renvoie à un autre diagramme ou un autre point de vue dans votre système pour aider à la navigation et à la visibilité des éléments d'information contenus dans le modèle. Et ça devrait guider en principe ensuite la génération documentaire, bien sûr, l'ordre d'informations qu'on veut communiquer est aussi important, mais il peut être différent de celui dans lequel on l'a modélisé. Bien sûr, ça dépend du contexte et du lecteur que l'on aura en face de soi. Est-ce que c'est un document interne? Est-ce qu'on a affaire à un mécanicien, un architecte logiciel, quelqu'un qui va faire du test, etc. Donc là, le petit plus de cet outil, c'est cet aspect interactivité par ce diagramme spécifique qui permet donc de contenir du diagramme et de naviguer à l'intérieur. Donc quelques mots sur un onglet très intéressant, donc il représente non plus sous forme des diagrammes, des éléments de modélisation différentes, mais plutôt la structure sous forme de package. Et ça, typiquement, c'est lié à la démarche que l'on va adopter, bien sûr. On va choisir donc un découpage du modèle sous forme de package qui va être représentatif de notre démarche. Donc par exemple ici, ça peut être les niveaux d'abstraction que l'on a choisi. Ça peut être aussi le type d'information, le type de projet par rapport aux participants. Donc si vous découpez le projet, un projet complexe avec plusieurs intervenants, c'est intéressant aussi de le découper de cette façon-là. Et de toute façon, il va falloir s'organiser de façon à ce que cette approche soit cohérente. Donc ça, c'est la notion de package de SysML qui est fondamentale pour déterminer où on va ranger les composants du modèle. Donc je crois qu'on va arriver en termes de timing assez rapidement à la partie questions-réponses. Donc je pense qu'on va pouvoir ouvrir la partie question-réponse. I believe I'm done with the slides and the demonstration, so we may open the question and answer part if you want to. Yes, we can proceed with the questions and answer section. So, if you have questions, please type them directly in the questions and answers window. First question, let me read it. It will be in English. Do you use meta model or profile for specific ontology? Ok, je vais répondre en français. Alors, yes. le SysML en fait est un langage qui est basé sur ML, donc par profilage, et on a coutume d'étendre SysML lui-même par extension donc, de ce profilage qui permet de spécialiser et de créer donc ce qu'on appelle des DSL, des domaines spécifiques language, ou tout simplement donc des cadres qui vont permettre de l'utiliser de façon plus appropriée. Donc oui, l'outil Cameo supporte cette possibilité comme la plupart des outils SysML à ma connaissance, puisqu'ils sont tous par construction obligés de partir d'un métamodèle UML et de l'étendre par profilage pour enlever et ajouter des choses à UML. Donc oui, par définition, on va pouvoir aussi le faire dans ce cadre-là, bien sûr. Thank you, Olivier. Olivier, we got another question. Okay. Which sounds, do you think that model verification is mandatory? Model verification. En français. Ça dépend okay. Ce qu'on entend par vérification de modèle, mais de toute manière, si on distingue la validation et la vérification, donc validation pour moi intervient au niveau le plus haut à partir des exigences. Au niveau donc tout ce qui est exigence client, on va dire utilisateur, les vérifications, toutes les étapes qui s'en suivent. Il est important déjà donc de pouvoir vérifier ces différents éléments de modélisation. Alors vérification du modèle, certains outils proposent une vérification syntaxique et sémantique, donc contextuelle. Notamment pour vérifier la cohérence du modèle, vérifier, on parlait d'unicité typiquement d'éléments de modèle, ça peut être ce genre de choses. Là, c'est lié très très fortement à la façon dont l'outil est construit. Il y a certains outils qui permettent de prévenir la saisie de mauvaises informations, par exemple. Donc, il n'y a plus forcément besoin de faire de vérification a posteriori, mais qui peuvent se faire au fil de l'eau. Et c'est ce que peut permettre une approche d'un outil avec une simulation en mode interprété, par exemple. C'est le cas de No Magic. Si on parle de simulation comme moyen de vérification, je pense qu'on peut le considérer comme moyen de vérification pour les automates, par exemple. Cameo est basé sur une méthode d'animation et de simulation en mode interprété, alors que la plupart des outils SysML sont basés sur une génération de code qui va permettre de rendre le modèle exécutable. C'est un peu plus délicat pour analyser donc justement la vérification du modèle en tant que modèle. Là, ils ont une approche bien plus souple dans le sens où on va pouvoir capturer les erreurs de modélisation, incohérences, etc. Lancement de la simulation, donc avant la génération de code que l'on pourrait faire. Donc effectivement, la vérification pour moi est quelque chose de très très important et qui peut se faire au niveau syntaxique ou au niveau exécution de modèle pour la partie comportementale. Thank you, Olivia. We got the third question, but it is in French. So, could you please read it yourself? Because est-ce qu'on peut utiliser SysML pour un modèle peu complexe? Oui, bien sûr, bien sûr. Simplement, juste un petit message de mise en garde, c'est que l'apprentissage de ce langage n'est pas forcément très intuitif. Et la mise en place obligatoire de la démarche, puisque une fois de plus, le choix de SysML comme langage et le choix d'un outil supportant SysML ne suffit pas. Il faut mettre en place une démarche qui peut être proposée par l'éditeur d'outils, donc c'est le cas ici, mais qui n'est pas forcément adaptée d'emblée au projet et au métier et à nos préoccupations. Donc la grosse difficulté, c'est tout ce qui va être apprentissage et définition de l'outillage lié au langage SysML inhérent à la notation. Donc du coup, ça pourrait être disproportionné, entre la durée par exemple du projet et la complexité du problème qu'on a à résoudre et l'effort qui serait à apporter pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est une sorte de compromis à apporter, et c'est pour ça que SysML a plutôt été prévu au départ pour la gestion de systèmes complexes, dû à la mise en œuvre de la méthodologie qui est nécessaire pour faire tout ça, donc qui s'applique mieux à des systèmes complexes. Thank you, Olivier. I see that there is another question, a long one at the top. It is also in French, so... Okay, so the question is, peut-on suivre l'évolution des valeurs, des paramètres, des différents éléments de modélisation dans le temps suite aux différentes évolutions du système, en phase de conception ou en phase d'utilisation? Les éléments de modélisation dans le temps. Alors, il y a plusieurs réponses, je pense, si je comprends la question commune. Il y a soit la gestion de version de modèle, en fait, d'après ce que je comprends. Donc, si les éléments de modélisation évoluent, c'est qu'il va y avoir des versions de modèles différentes à apporter. Donc là, effectivement, ça va dépendre de l'outillage et de la façon dont il va gérer le versionnement des différents modèles. Et ça va dépendre aussi si on connecte cet outil avec des outils de gestion de version dont c'est l'objectif, dont c'est le but. Et ce genre d'outils, comme Cameo, peuvent s'interfacer avec ce genre d'outils, donc pour déléguer cet aspect-là à des outils dont c'est l'objectif. Donc là, ça fait également partie de la démarche qui consiste à savoir quand il est pertinent de passer à une nouvelle version, d'incrémenter, de sauvegarder en base, etc. Donc c'est une démarche à part entière. La modélisation en fait partie, comme tout un tas d'autres étapes, comme la conception, le test, au niveau des différents éléments. Donc je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais ce qui est certain, c'est que ça dépend intimement de l'outillage, de la démarche aussi, et pas forcément de SysML. En fait, SysML n'est pas trop impacté par cette question-là. Thank you, Olivier. More questions? Do you see Olivier? Okay. That's another question? Yes. Okay. Oh, okay. Si, il y a des outils qui proposent cette fonction directement, simplement, je ne vais pas en faire la promotion ici. C'est pas... Là, on est... amicalement, je dirais, reçu par la société No Magic pour présenter cette solution dans le cadre d'une certaine neutralité. Donc, je ne suis pas un expert de l'outil No Magic, je suis expert sur d'autres outils. Donc, je préférerais vous poser cette question directement aux gens de No Magic, puisque je n'ai pas l'étiquette de représentant de No Magic. Le cadre de cette présentation était... je dirais d'apporter un retour d'expérience, puis un éclairage un petit peu plus local sur l'utilisation de SysML et la mise en place d'une bonne démarche. Pas trop sur l'aspect outillage, je ne suis pas là en fait pour faire la promotion d'un outil ou d'un autre clairement. Thank you, Olivia. Questions and answer section is over, and let me do the close out. So thank you, Olivia, for the presentation. Merci. Thank you, attendees, for active participation, for your questions, and we hope to see you, to meet you in the upcoming webinars.